Bonjour à tous et à toutes, c'est Orochti d'Historia Games et nous nous retrouvons pour l'épisode 4 de ce Let's Play sur The Guild 2. Donc on se retrouve tout de suite, hein. Je vais peut-être couper entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et on se retrouve tout de suite pour l'épisode suivant. J'ai répété combien de fois depuis le début, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va reprendre notre petite aventure et on va tout de suite envoyer notre cher homme. Il va s'entraîner un petit peu. Tiens. On va le faire s'entraîner. Et donc madame est enceinte apparemment. Donc madame est enceinte, je voudrais bien. Apparemment non, je peux rien faire. Alors on pourra pas voir madame malheureusement. Madame qui est derrière, hein, on sait pas trop ce qu'elle fait. Bon, c'est pas très, très grave. Donc on va passer un petit peu le temps que mon personnage principal s'entraîne. Un petit entraînement, vu que j'ai pas tout ça fait, on va le faire. Hein. Voilà, mon personnage est tellement fort qu'il traverse les murs. Voilà, alors, je suis méchant quand même, c'est un jeu assez vieux. J'ai du mal, excusez-moi. Vous avez maintenant une fille. Oh, j'ai une fille. Oh, c'est dommage. C'est pas comme si on n'avait pas de fille dans Historia Games. Et qu'on est toujours face à ce cruel dilemme. Comment on va appeler mademoiselle? Ah. Bon, et les filles, mesdemoiselles, réagissez enfin. Je sais que notre public est majoritairement masculin, mais montrez-vous. En plus, j'ai un délai pour choisir mon nom, attention. Idel. Sérieusement. Idel. Bon bah on va essayer d'elle, hein. Elle est pas, c'est pas très beau comme nom. Non, on va changer de nom, tiens, on va appeler Sophie. Voilà. Pourquoi Sophie? Parce que ça veut dire sagesse. Je sais pas du tout, j'avais envie d'appeler Sophie, m'embêtez pas. Sophie, voilà, point. Donc j'ai une fille apparemment et je voudrais voir ma fille. Variatio delectat. Bah ouais, mais je voulais... Voilà, ça va un peu vite. Voilà, normal. Alors, j'ai vu ma fille pendant 2 secondes. Maintenant, je la vois plus du tout. Où est mon enfant? Ah. Oh. Madame. Elle est très libérale. Bon. In vino veritas. Alors, toi, maintenant, vu que t'as fait ton boulot, je ne sais pas à quoi tu sers. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire exactement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer à la messe. Je sais pas, il n'y a pas moyen pour la faire automatique ou un truc comme ça. Il n'y a pas l'église dans le coin. T'as péché, hein, t'as couché avec un homme. S'asseoir, donner objet, parler, suivez-moi, complimenter, offrir un cadeau, être un charmé, embrasser. Bon, écoute, tu vas aller au marché, je verrai bien ce qu'on va faire de tout. Non, tu vas dormir en fait, parce que c'est vrai que t'as pas récupéré encore tous tes points de vie. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire dodo. Si j'arrive à trouver l'action. Ouais, c'est en train d'attribuer. Allez, voilà, à se coucher. Bah, tu vas te coucher. Normalement, c'est Ardua voilà. Prima via est. Et lui, il s'entraîne. Fort bien. Et lui, elle, je peux rien faire avec. C'est pas très très grave. Voilà. Voilà. Donc, quand mon personnage aura fini, ce sera bon. Ici, j'ai rien normalement. Ouais, j'ai mes trucs en vente. On va le mettre. Tac, là-dedans, on va envoyer directement la charrette sur le marché. Tant qu'à faire, de bonne heure du matin. Hein. Ouais, envoyer les charrettes et décharger. Donc je peux choisir, c'est Macon, on m'a dit apparemment. Hein. Voilà, ou Macon, je sais pas comment on prononce exactement en fait. Hein. Parce qu'on m'a dit, c'est pas Masson, on m'a réécrit comme ça en fait. Donc je sais pas, c'est Macon. Mais bon, ça fait un peu con de dire ça, enfin, je sais pas, c'est possible, hein, ceux qui habitent là-bas, je veux pas les vexer non plus. Mais bon, excusez-moi pour cette petite erreur, voilà. Tu décharges et tu repars, voilà. Et c'est qui arrive à... C'est Jacques Tessier, donc félicitations Jacques. Enfin, félicitations, pourquoi je félicite? Non, c'est bien, tu es au boulot. Je pense donc je suis. Oh, Descartes, tu es Descartes caché, toi. Je ne savais pas, et toi? J'écoute. Ah, t'écoutes, bon. Au boulot, messieurs, hein. Oh. Au boulot. On n'a pas que ça à faire, hein. Donc là, on peut voir, c'est pas ma chariote. Je peux peut-être m'acheter un autre truc. Donc, je vais attendre le niveau 3 pour m'acheter un autre truc, en fait.
Et qu'est-ce qu'on va faire avec le citoyen Rochti? Bah, le citoyen Rochti, il va aller, il va retourner au palais, on va voir ce qu'on... On va essayer de grimper encore un étage au-dessus. On verra bien comment ça se passe. Alors, par contre, niveau relation avec les autres personnages, j'avoue que je m'y intéresse pas du tout. J'espère que c'est pas trop une erreur. Je pense que c'est une erreur. Mais bon, c'est pas... Une fois où moi j'ai ma femme... enfin, voilà, quoi. Alors, est-ce que mon personnage est bientôt fini? Ouais, il est bientôt fini, donc il va pouvoir... bientôt... aller au palais. Pas de palais. Pas de palais. C'est d'ailleurs dans la 6 Oblix. Ouais. J'ai rien fait. Est-ce que j'aurai un cadeau? Oh, cette voix. Je veux un bonbon. Oh, oh, oh. Ah, c'est un peu pédophile si je dis j'en ai un, hein, mais bon, c'est... c'est pas grave. Allez. Diviser pour mieux régner. Oui, si tu veux. Allez, va. Va au palais. Allez, on va te suivre parce que sinon, in vino veritas. Ah, ouais, mais je veux juste... Il y a un problème? Non, non, je veux juste te suivre en fait parce que on a pas... j'ai pas grand chose à montrer donc. Bon, parce que madame dort, hein, elle fait sa gras. Aujourd'hui, je l'accorde du repos. Donc d'ailleurs, dans les commentaires, je vous appelle allez encore une fois. Hein. C'est vrai que je regarde pas trop de tutos sur internet tout ça parce que bon je préfère que je découvre et puis que c'est vous qui donnez les conseils. Ça, je trouve que ça pourrait faire une meilleure interaction entre vous et moi, mais bon après si vous voulez que je regarde des tutos, hein, je regarderai, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, ah, je prends mon truc, il fait demi-tour. Donc voilà. Donc si vous avez des idées à propos de ce que peut faire ma femme et quelle est son utilité, bah dites-le moi par faire des enfants. Je serais vivement intéressé. Tac, voilà, donc les herboristes avec nous. Mon personnage est arrivé au palais. Hugh Chabot, bon, c'est pas encore ça, youf. Ego sum quisum. Ego sum quisum, si tu veux. Suivez-moi, je vais tenter offrir un cadeau et éteindre quelqu'un. Enfin, éteindre. Non, étreindre, c'est mieux, voilà. Alors, achat d'un titre, alors, ce qu'on veut faire, on peut postuler pour un siège, on va essayer de faire ça. Inquisitrice. Non, on va essayer, maire de la ville, peut-être pas, il n'y a pas de passe de libre, tiens, c'est marrant ça. Sénéchal, il y a apparemment, alors on va juste mettre deux secondes en petit pop parce que on peut voir quand même qu'il y a des secteurs et on a des privilèges comme torturer quelqu'un, des bruits de chaîne, comment des gardes de cachot si on est geôlier, on peut devenir maître de guilde, titre de bourgeois, ordonnance d'une inspection commerciale, denier armurier, commandant, ok, Sénéchal, on peut flatter quelqu'un, on peut, ok, on peut voir quand même des petits trucs, donc là par exemple on, il faut il y a deux potions pour devenir geôlier, il faut que je suis bourgeois dans tous les cas apparemment, donc c'était pas pour tout de suite bon, ah il y a aussi un maçon apparemment, un macon, un macon, excusez-moi, j'ai pu prononcer ce nom parce que... Alors, on va peut-être faire un achat, alors ouais, on fera achat de titre, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Ah, bonjour. Quelle belle matinée de printemps, vous ne trouvez pas? Oui, si tu veux, oui. Vous n'êtes pas sans savoir que mon poste de fonctionnaire me prend déjà beaucoup de temps. Toutefois, je serais ravi de vous aider. Ouais. Un nouveau titre de noblesse, quoi. Pour une somme très modique, je peux... À vous de voir. Vous n'imaginez pas les privilèges que vous perdez. C'est excessivement cher. Donc, nine. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Diviser pour mieux régner. Il n'y a pas de chemin qui mène à mon objectif. Ardua prima via est. On peut toujours aller parler à mademoiselle, hein, c'est pas un problème. On va la complimenter. Cui bono? J'adore vos mains. Elles sont si fragiles. Quelle magnifique peau, vous ne trouvez pas? Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Gentil damoiseau, vous êtes charmant, merci. Ah, je suis désolé. Téléphone qui... Et vous savez quoi, c'est le pire, c'est que je vais pas y répondre parce que c'est des publicités. Mais qui m'emmerde? Mais qui m'emmerde? Ouais, vous avez pas imaginé. Enfin, si, sans doute. Virginie de Boff. C'est quoi ce nom? Virginie de Boff. Bon, soit. Bah écoute, tu vas aller au marché. Ardua prima via est. Voilà.
Alors, est-ce que je vais juste aller dans ma factory? Voilà, bah, on va tout envoyer au marché. J'ai mal aux pieds. Mais je m'en fous que t'as mal aux pieds. Tu vas aller travailler, mon petit vieux. Non, tiens, on va au marché de main. Je me dépêche. Vous savez quoi? Alors, oui, je voulais voir surtout. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est en général en fait. Je peux mettre des améliorations au niveau de bâtiment. 1000, ouais, faut que je suis niveau 3, donc pour ça c'est pas tout de suite. Gérer bâtiment. Ah, ça c'est pas ça. C'est où il n'y a pas amélioration. Ah, c'est ici. Je peux recruter espace de travail pour avoir un homme de plus. Bon, on va le faire. Est-ce qu'on recrute quelqu'un d'autre? Vous vous réveillez. Vous vous réveillez, merci. Pas attaquer une nouvelle journée de travail. Mais ouais, mais je sais pas comment. Est-ce que. Je sais pas en fait. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ouais, alors j'ai une relation diplomatique. Est-ce que c'est grâce à mon entraînement que j'ai débloqué cela? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ce qu'elle va faire, c'est que qu'est-ce qu'elle peut faire là? Attribuer un propriétaire pour les emprunts et se coucher, passer la vie ensemble, non, c'est pas ça. S'asseoir, parler, donner objet, tout. Bah écoute, tu vas aller au marché. On verra bien. Alors toi, hein, tu es là. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis-je aider? Bah écoute, on va voir le marché. Variatio delectat. Duralex, sedlex. Sauf que je sais plus comment ça marche pour regarder les inventaires. Ah voilà. On va peut-être acheter un truc, qu'est-ce que vous en pensez? Nourriture, c'est pour récupérer la vie textile, c'est sans doute. Ouais, ferronnerie. C'est la nature métaphysique, ça fait quoi ça? Bracelet, épée courte, j'ai déjà une épée donc bon. Habit de paysan, habit de citadin, on peut acheter des habits pour points, cap de camouflage, on peut l'acheter la cape. Ouais, bon, ça coûte très cher et c'est pas très forcément utile. Bah écoutez, on va acheter ça, écoutez. Voilà. Alors, pourquoi ça doit... Ça y est, on recommence. Ça va recommencer ça, je sais pas comment on fait. On va mettre au ralenti. Alors, normalement, si je clique là-dessus, parce que... Si je double-clique... Ah, ça se peut fermer, je suis bêta... Comment j'avais fait? Oui, je veux acheter. Laissez-moi acheter. À moins qu'il faut... Ouais, peut-être que je suis en nourriture, il faut que je clique ailleurs. Textile. Est-ce que c'est pour ça? Attendez. Méatip opéré spirit variation. Ah, je vous jure, le gameplay il est pas forcément super intuitif. Faut dire aussi que moi je suis peut-être une quiche. Mais pourquoi? In vino veritas. C'est pas ça que je veux finir. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu ne veux pas acheter? Ah, mais je suis peut-être bête parce qu'il y a peut-être pas y a rien en réserve. Quel idiot, je vous jure! Quoi ça sert d'avoir un anneau? Ouais, c'est plutôt pas le coup, c'est pas grave. C'est pas terrible, ça c'est quoi? Bon, pourquoi pas? Et là, je peux en acheter, ouais, donc bon. Vous pouvez pas porter l'anneau d'argent ici. Why? Je l'ai acheté ou pas? J'ai pas fait gaffe.
Voilà, peux-tu acheter? Alors, c'est peut-être parce que là, il faut que je clique sur mon personnage. Wissum. Tu peux me montrer tes réserves. C'est pas ça que je voulais. Qu'y a-t-il? Ouais, c'est vrai, c'est pas ici l'inventaire. J'ai du mal, excusez-moi. Hein. Franchement, j'ai réellement du mal. Alors, vous pouvez pas stocker de anneaux d'argent ici. Fuck. In vino veritas. Je le donnerai à quelqu'un, c'est pas très très grave. Bah regardez, il rush le, donc voilà, on va lui parler. Ouais, on va lui parler. Non, attendez, j'ai mieux, on va faire moite-moite avec ça, on va notre copine. Où est la nano d'argent? J'y comprends rien. Non, on va aller embrasser mademoiselle. Vas-y, salut. Oh là là. Errare humanum est. Oui, je voudrais que t'embrasses ta femme. Ce n'est pas possible. Allez, bon, on va gagner de tout rond, ça va un petit peu de romantisme dans cet épisode, après tout, ça fera toujours plaisir. Voilà. Nous embrasser très bien, monsieur. Ah, mais toi aussi, hein, coquine. In vino veritas. Donc voilà, bah écoutez, on va dire à l'autre. Quel homme. Ardua prima via est. Alléluia. Divisé pour mieux régner. Voilà, elle me suit, donc c'est. Oui, bon, c'est très bien. Et ce qu'on va faire, c'est que. Je sais pas quoi faire. Faudrait qu'on gagne de l'argent, mais pour ça. Bon, on va rentrer à la maison et on va aller s'entraîner en fait. Ardua prima via est. On va aller faire s'entraîner. Pendant que mes deux tatueries, là, ils travaillent à fond. Ouais, j'ai Robert. Que puis-je faire pour vous? Ah non, c'est ça que je voulais faire aussi. Bon. Variatio delectat. À la maison. Non, pas là, c'est pas moi. C'est pas moi qui dois rentrer. Bah. On se téléporte. Un peu partout. Donc, ouais, on va. Parfait. Hop. Tac. Alors, l'autre, il est trop pas revenu. Alors, mais un certain temps, mais bon, c'est comme ça, écoutez. En tout cas, je me refais un peu de blé et je remercie encore une fois Monsieur Lagaffe 2013. Hein. Oh, deux dédicaces, hein. C'est pas génial ça? Voilà. Pour avoir donné ses conseils pour pouvoir améliorer qui bah, donne quand même un bon petit coup de main dans la partie. Quoi. Alors, où est notre cher personnage? On va accélérer le temps, tant qu'il arrive. Ouais. Normal. Ma femme ne veut pas rentrer. Oui. Alors, vous pouvez voir ici stimuler ou paiement de prime. Donc, je voudrais juste voir ce que c'est paiement de prime. C'est un peu cher de 1200. Divisé pour mieux régner. On va voir ce que ça fait. Voici. Prenez ces pièces en guise de remerciement. Hein? Ouais, mais je les donne à une seule personne. Ah non, les deux, ok. Très très bien, voilà. Et l'autre truc stimulé, c'est quoi? Retournez au travail, bande de paresseux, avant que j'oublie les bonnes manières. Tout là-bas, venez. D'accord. Ouf. J'ai peut-être pas fait la meilleure chose que j'aurais dû. Désolé. Toi, tu peux faire quelque chose, suivez-moi. Tu peux éteindre, bah écoute, tu vois. Variatio delectat. On va faire ça. Bon, je suis venu montrer ma femme au boulot. Voilà, elle me dit au revoir parce que arrêtez de faire votre. Ce fut agréable. Merci. Bon, je sais pas vous, mais quand je reçois un câlin, je sais pas. Ah, ça fait un peu bizarre. Alors, mademoiselle. Je pense donc je suis. Très bien.
C'est des cartes, le mec. J'ai recruté des cartes. Aléa, Jacta Est. Et César, je crois, là. Non, je sais quand même qu'Aléa, Jacta Est, c'est que le sort soit jeté ou les dés sont jetés. Enfin, je sais plus exactement après le tour, mais c'est un peu ça. La phrase. Non, on va peut-être pas faire ça non plus. Bon, écoutez, on va compliment. Ah, ok. Ça, c'est vraiment pour la drague, ça, apparemment. Ok. Bah écoute, tu vas rentrer du coup aussi. Ardua prima via est. Et on va les lancer tous les. On va les lancer tous les deux dans l'entraînement. Mais avant, on va juste regarder une dernière fois. Nos réserves. 4. Ouais, c'est pas trop, trop la peine de les faire bouger. Je vais recruter une troisième personne. Maurice. Voilà. On va recruter Maurice. Et on va. Et Maurice, il va. Tu fais des tisanes, Maurice? Naturellement. Ouais, il va faire des tisanes aussi, comme ça on en aura plein. À mettre en vente. Et de toute façon, j'ai de l'argent pour payer, donc il n'y a pas trop de problème. On va revenir ici, dans la maison. Je n'ai pas rénové d'ailleurs, donc on va lancer les rénovations. C'est pas trop cher, mais au moins on va pas. Est-ce que je peux l'améliorer d'ailleurs? Ah, c'est pas bête ça. Niveau du bâtiment, vu que je suis nu pour choix. Ouais, je peux pour 1500. Ah non, il faut être bourgeois. Bah, alors. Un bâtiment vient d'être rénové. C'est bon ça. Condition requise, le titre de bourgeois. Bah non. Ah non. Ah voilà. J'ai fait ma maison, j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup. J'ai beaucoup perdu. Et. Oups. Ouais, bon, c'est bon, je pense que je vais gagner un tout petit peu d'argent quand même. Normalement j'ai. Voilà, donc j'aurai les travaux qui sont en train de se faire, donc une nouvelle maison. Toi. Mais pourquoi j'ai des relations diplomatiques ici? Ça fait. Bon. La dynastie, c'est peut-être pour les gens, je sais pas pourquoi. Bah écoute, entrer. Diviser pour mieux. Puis-je aider? Un bâtiment vient d'être aménagé. Est-ce que tu peux. Non, tu peux pas. Ok, bah écoute, entraîne-toi aussi. Diviser pour mieux régner. Poursuivez, tiens, un peu redondant pour étudier tranquillement. Je fous de ma gueule. Alors, la maison. Ah, d'accord, j'ai une maison, ça c'est bien. Donc, je peux avoir sans doute des améliorations. Ah oui, j'ai quand même pas accès à pas mal d'améliorations. Bon, j'ai pas d'argent pour le faire malheureusement. Donc on va s'en occuper ça, mais un peu plus tard. Donc on va s'en occuper un peu plus tard. Et toi, donc tu sers à rien. Puis-je aider? Ouais, bah écoute, tu vas dormir. Écoute. On va accélérer. Allez, juste le temps pour la fin de l'épisode, en espérant que mon personnage ait fini de faire son entraînement. Et on va les faire se coucher ensemble. Comme ça, on aura. On aura un gosse, un autre gosse, ça pourrait toujours être utile. La maison est assez grande quand même, hein, même pour une cabane, je veux dire, à battre. Donc, ouais, j'espère qu'il aura fini avant minuit quand même. Oh, attendez, j'ai pas vu qu'il y avait des petits messages sur le côté, c'est quoi ça? Vous pouvez retirer, j'arrive pas à lire. Retirer des membres de votre groupe et en ajouter de nouveaux, d'accord. Un bâtiment vient d'être aménagé, ouais. Ouais. Désolé encore une fois pour ce petit son, votre cabane est présentement rénovée. Ouais, merci. Ok, bon, ce n'est pas très très important. On va réduire la vitesse. Allez, t'as fini. Allez, on y croit. Belle pas, hein. Ouais, bah, va fini. Voilà, merci. Va coucher avec ta femme. D'accord. Variatio d'électro. Va faire ton travail. Comme il disait la dernière fois. Je crois que nous devrions. Ah non, là, c'est un peu plus subtil quand même. La dernière fois c'était un peu brutal. Au travail, cette fois-ci c'est je crois qu'on devrait pas. Pourquoi pas? Dit-elle. Dit-elle innocemment. Pendant ce temps-là, la fille va aller dans la chambre. Non, non. On ferme les volets et on s'arrête là. Voilà, donc pile 18, hein. Donc je vous remercie encore une fois de suivre ce let's play, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime si vous avez aimé, à critiquer si vous aimez pas et dire pourquoi. Il y a des gens qui mettent j'aime pas et qui critiquent pas, donc pour cela je dis qu'ils sont complètement cons parce que
Vous avez le droit de pas aimer, hein, je sais, c'est pas un crime. Mais que vous mettez que j'aime pas et vous dites même pas pourquoi, c'est vous êtes pire qu'un gamin en fait, qu'un bébé qui réclamerait, qui réclame tout et n'importe quoi. Voilà, donc franchement, moi c'est, je le dis comme c'est, mais c'est comme ça, je suis désolé. Et si vous mettez j'aime pas et vous expliquez dans les commentaires pourquoi vous avez pas aimé, là vous êtes quelqu'un d'intelligent tout simplement, et puis je vais essayer de faire en sorte que ce soit mieux tout simplement. Donc voilà, voilà, c'était un petit détail. Merci donc de nous suivre, de mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, faire un petit retour sur Instagram, vous connaissez la chanson. Je vous remercie. Voilà, merci. On se laisse là. Je vous dis bye bye pendant que Sophie en stop motion fait un petit ralenti de course. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Alors, il y a un petit message, j'arrive pas à le dire. La guide de délétrer de lui. Bonjour. Ah. Venez vous mettre à l'abri du froid et de la neige. Oui, il fait très froid. Bah non, tout le nord. C'est l'été, il commence à faire un petit peu chaud, même dans le nord. Même si bon, c'est assez vague. Avez-vous pris un numéro ? On en a été pourri, enfin, il faut le dire. Je plaisante. Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais avoir un titre, monsieur. Bien, à nous maintenant. Vous ne deviendrez jamais dieu ici, mais je peux essayer de vous trouver un certificat attestant d'un meilleur titre que le vôtre actuellement. Cela ne vous coûtera que quelques pièces. Un sens, cher quand même. Ce n'est pas vraiment les...